Bonjour tout le monde, je pense qu'on peut commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cinquième réunion, cinquième webinaire dans la série Naviguer dans la production, l'utilisation et le commerce de nouveaux POP. Je suis Anastasia Bloch. Je travaille avec GGK. Et nous allons vous guider à travers une vue d'ensemble des nouveaux POP avec les bases de données et les statistiques internationales clés. Ce webinaire. À travers ce webinaire, nous allons partager les connaissances et dans le cadre des composantes 1 et 2 du projet GEF, intitulé Développement, examen et mise à jour au mondial des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques et persistants. Je voulais vous rappeler aussi que nous avons un deuxième webinaire, le 1er août. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite, nous vous invitons à vous inscrire. Nous avons le service d'interprétariat disponible aujourd'hui. Nous avons des interprètes qui nous servent cet événement. Donc, n'hésitez pas à choisir votre langue de préférence. Et je vais maintenant passer la parole à notre intervenant aujourd'hui, le docteur Roland Weber, qui travaille dans la recherche autour des POPs. Il va vous présenter les bases de données internationales et les statistiques. À vous, docteur Weber. Merci beaucoup, Anastasia. Et bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Roland Weber. Je travaille depuis 30 ans dans le domaine de la recherche autour des polluants organiques persistants. Je travaille auprès du secrétariat et différentes agences de l'ONU. Aujourd'hui, le sujet il s'agit donc de la production des bourses de 2009 à 2022 et comment accéder aux différentes bases de données et de statistiques à ce sujet. Cette présentation a trois parties principales. Dans la partie A, comment accéder aux données pertinentes et les applications. Partie B, donc concernant la production et le commerce des nouveaux POPs de 2009 à 2022, puis la troisième partie qui concerne les nouveaux POP qui sont utilisés dans les pesticides surtout et qui sont impliqués dans le commerce. Donc, revenons à 2009, nous avons34 POP inscrits avec 22 POP nouvellement inscrits depuis 2009, y compris donc les 8 pesticides POP, les 5 retardateurs de flamme. Et nous avons aussi une liste des nouvellement listés, y compris les POP non halogènes. Et donc, au cours de ce webinaire, nous n'allons pas mettre l'accent sur les trois derniers POP inscrits, mais nous allons entrer beaucoup plus en détail lors du prochain webinaire.
Premièrement, à savoir comment avoir accès aux informations pertinentes. Donc, il s'agit des nouveaux conseils. Nous avons développé un guide lors des 2 dernières années. Donc, vous avez ici les informations concernant la production, le commerce et l'utilisation des POP, qui sont des informations tout à fait critiques. Donc, si les POP sont produits, donc vous aurez le cycle de vie des POP qui doivent être évalués et contrôlés. Mais il faut dire que beaucoup d'entre ces POP ne sont plus produits. Et donc, si ce n'est plus produit, nous allons donc mettre l'accent sur les produits qui sont encore utilisés et regarder de plus près les déchets issus de ces produits qui doivent être contrôlés. Donc, ce webinaire est tout à fait pertinent et ces conseils sont disponibles en ligne sur la plateforme des politiques GGKP que nous avons mise à jour aujourd'hui avec ce document. Donc, chaque POP qui est listé comporte les informations pour guider et vous aurez aussi accès à la présentation d'aujourd'hui, bien sûr, qui va présenter un contenu global. Nous avons aussi les sources de données, les sources que vous pouvez consulter. Donc, ici, vous avez des documents qui ont été développés pour la liste, la production de cette liste des POPs. Il y a des documents sur les risques, les profils, le profil risque qui contient des informations pour l'évaluation. Intitulé Annexe E. Il y a aussi des documents autour de des évaluations de la gestion de risque. Vous avez aussi, du temps, il faut savoir, le statut est en train d'évoluer. Et donc, certaines PIFOS qui sont listées en 2009, par exemple, 2008, 2007, mais au cours du temps, les informations autour de la production et le commerce évolue. Donc, le PNUD a déterminé qu'il faut vraiment mettre à jour toutes les informations et de les mettre en un seul document. Donc, par rapport aux POPs, les POPs nouvellement listés, tels que la Déclara le plus, UV 328 et méthoxychlore, qui ne sont plus contenus dans les conseils. Il faut savoir que les informations les plus récentes peuvent être trouvées dans les documents autour du PropRT. En ce qui concerne les En ce qui concerne donc les cas d'exemption par rapport aux POPs qui sont produits, vous avez donc ces clauses qui sont incluses sur la plateforme et j'encourage les pays à s'inscrire. D'un côté, il y a l'inscription pour les POPs qui sont encore utilisés. Par exemple, il y a l'inscription, l'utilisation des HPCT, des PFOS, des FOA qui contiennent les produits de flambronnée.
Il y a aussi, il faudrait noter que seuls quelques pays ont notifié l'utilisation de ces produits dans les pays où il y a encore des véhicules qui sont en utilisation et qui contiennent les PBE. Et j'aimerais donc vous encourager à vous inscrire les produits qui sont en cours d'utilisation. D'autres documents qui sont très intéressants, qui ont été développés par le secrétariat VER et qui comportent des conseils sur des alternatives aux POPs, et ce que vous voyez en rouge, ce sont de nouveaux conseils qui ont été élaborés pour la mise à jour des NIP. Il s'agit des conseils sectoraux sur l'utilisation des POPs qui va être présenté jeudi prochain. Et il y a aussi des conseils concernant les POP et les bases de données qui seront présentées au mois d'octobre. Et il y a aussi des conseils développés autour de l'assurance qualité qui sera présentée au mois d'octobre. Puis, une autre source de données intéressante, il y a bien évidemment les sources scientifiques. J'avais de la chance lorsque j'ai développé une publication scientifique, parce qu'en 2021, cet article a été publié par le professeur Lee et ils ont compilé toutes les informations autour de l'utilisation et le commerce de toutes les POPs inclus dans la Convention de Stockholm jusqu'en 2019. Donc ici, vous voyez les données concernant les volumes de production, y compris les informations concernant la production par décennie. Vous voyez ici à gauche tous les POPs listés depuis 1930 jusqu'en 2010 et par décennie. Donc, ils ont des estimations de production totale de chaque POP dans la décennie en cours. Donc, ce sont des données, des informations qui sont incluses dans nos documents de conseil et que vous pouvez trouver dans cette publication. Si vous pouvez trouver énormément d'informations de soutien. Puis, nous avons cité quelques POPs ici pour les anciens pesticides qui ne sont pas très intéressant à traiter aujourd'hui, mais vous pouvez voir les références au chlordécone, par exemple, et vous voyez que cela a été produit lors des années 60, 70, les années 80, mais qui sont en net déclin. Mais vous pouvez voir le volume total qui a été produit au cours de l'histoire. Là en bas, vous voyez donc la production des PCB que vous gérez depuis 20 ans, notamment sous la Convention de Stockholm. Vous voyez que la production a commencé dans les années 1930, la production principale dans les années 1960-1970, et vous voyez ici en 1980, la production est en déclin. Mais cette information et le fait de comprendre ces informations, pour voir quel volume de quel pop ça a été produit dans quelle décennie. Ce sont des informations très intéressantes pour comprendre quel type de produits ont été impactés. Lorsqu'on regarde ici sur les paraffines chaîne, nous voyons que la production dans les années 1980 était relativement bas, mais que cela a pris l'essor par la suite, à plus de 9 millions de tonnes produites au cours de l'histoire. C'est de loin le pop le plus populaire qui a été produit. Et vous pouvez voir ici que c'est
il y a un grand volume qui est encore en circulation qui doit être surveillé. Maintenant, par rapport aux portes qui se retrouvent dans le commerce, ce qui est important à noter, c'est la base de données de l'ONU, Home Trade, qui utilise un système harmonisé, les codes du système harmonisé, qui repère plus de 5 300 articles produits avec des descriptions qui sont démontrées comme des titres et sous-titres, y compris des produits chimiques. Donc, cela comprend l'année, le flux de produits qui importe, qui exporte ces produits et aussi pour certains pops, s'il y a des codes HS spécifiques, vous pouvez trouver des détails au sein de cette base de données comme TRAD. Et certains codes spécifiques ont été publiés, utilisés pour les pops, mais aussi pour PFOS et les substances liées au PFOS comme PFOS-F. Et ici, vous pouvez vérifier directement comment le commerce s'est déroulé au des 15 dernières années. Il y a aussi donc des codes HS qui ne sont pas spécifiques par rapport au PFOS avant l'année 2018. Il n'y a pas de code spécifique. Donc, lorsqu'on avait développé en Turquie, par exemple, cela a été développé par l'université, mais ils n'utilisaient pas des codes spécifiques, donc ils utilisaient des codes non spécifiques. Et donc, nous n'avons pas pu obtenir des résultats spécifiques, d'où la logique de spécification pour pouvoir avoir la certitude et précision. Un autre problème qui s'est posé dans le domaine du commerce, c'est que les POPs dans les produits ne sont pas labellisés. Donc, il y a des codes HS qui ne couvrent pas forcément les POPs, compris dans les produits. Donc, par exemple, il y a beaucoup de paraffines qui entrent dans les produits PVC, qui sont identifiés tout simplement comme PVC, mais qui ne sont pas identifiés. On ne sait pas dans le commerce ce qu'il contient comme matière pop. Donc, nous avons conduit une étude pour estimer spécifiques produits, des produits spécifiques au PVC. Par exemple, en Chine, nous connaissions la concentration moyenne dans les produits PVC. Nous avons pu faire une estimation concernant le volume de paraffine qui entre dans le commerce Nigeria, par exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Puis, concernant le commerce, il y a une publication récente de 2023 dans le domaine qui a été publiée en Nature Sustainability. Et là, vous avez donc un article qui contient tous les produits chimiques listés dans la Convention de Rotterdam, avec les codes HS qui se retrouvent dans la base de données UN Home Trade. Et pour ces produits chimiques listés, il y en a 46. Et ils ont conclu que plus de 64 millions de mégatonnes ont été échangés dans le commerce entre 2004 et 2019. Et parmi ces produits chimiques, nous avons trouvé un grand volume de commerce illégal dans le domaine. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure certains des disparités que nous avons retrouvées. Ici, vous voyez donc le commerce de DDT, par exemple, l'Inde qui figure comme le plus grand commerçant dans ce domaine,
Donc, ce type de données, vous pouvez trouver pour comparaison, vous pouvez voir en termes de production l'individu, mais en dehors de la production, il y a bien sûr le commerce. Donc, le commerce entre, par exemple, le Royaume-Uni et les Pays-Bas et entre l'Italie et la France, y figure. Donc, ici, on voit quand la France et les Pays-Bas, ils ont une grande capacité d'incinération. Donc peut-être que la DDT est exportée des pays développés vers les pays non développés, mais aussi vers d'autres pays développés qui ont la capacité de destruction, d'incinération. Qu'il faut prendre en compte le DDT non seulement comme produit, mais le DDT, les déchets issus des DDT. Donc, il faut prendre cela en compte. Maintenant, nous avons une petite enquête. Nous voulons passer à Anastasia pour cette enquête. Et s'il y a des questions, nous pouvons peut-être faire une pause pour répondre aux questions. Ça sera possible. Oui, nous avons une question, mais je vais lancer l'enquête en premier avant de passer aux questions. J'espère que ça marche. Est-ce que vous voyez les questions? Allez-y avec les questions, répondez s'il vous plaît. Alors, nous avons une question pour vous, un sondage. Alors, les personnes répondent. Nous attendons les réponses. En attendant, nous avons une question de la Macédonie. La question, est-ce qu'il y a de l'accès ouvert aux données? Oh, c'est seulement pour les officiels. Tout le monde peut avoir accès à ces bases de données. Bien sûr, il faut apprendre comment utiliser les bases de données, mais aussi dans les documents, il y a une partie sur la base de données UN comme TRAD avec tous les liens et toutes les descriptions. Donc, il faut juste télécharger les documents et vous allez recevoir toutes les informations et tous les codes HS aussi. Merci beaucoup, Roland. Peut-être maintenant, nous pouvons terminer le sondage. Je pense que 50% des personnes ont répondu. Alors, maintenant, je vais partager les résultats. J'espère que vous pouvez voir les résultats sur l'écran en ce moment. 50% des personnes ont répondu non. Ils n'ont pas évalué l'importation des pommes dans le pays. 17% oui, mais très rarement. 3% oui, fréquemment. Et 31 personnes ont dit qu'ils ne savent pas comment vérifier ces données. Alors, je vais arrêter de partager le sondage maintenant. Oui, très important d'apprendre comment utiliser ces bases de données avec tous les conseils. Et aussi, peut-être dans la prochaine réunion, nous pouvons avoir une session sur cette base de données. Alors, la deuxième partie, c'est sur les POP industriels. Nous allons commencer avec cinq POP, les PBDE. Alors, ils ont été produits dans les volumes très élevés.
Les PB2E ont été utilisés comme des retardateurs de flamme depuis les années 1970 dans les plastiques, les produits électroniques, les véhicules, dans les bâtiments aussi, dans les fibres synthétiques. Donc, il y a trois catégories. Sont des. Pouvons voir. Si on regarde aussi dans cette diapositive, ça contient le tétrachloromethylphényl, éther, a été produit à peu près 1075 000 tonnes entre 1970 jusqu'à 2004. Mais dans les dernières 20 ans, ils n'ont pas produit ce POP. 90% de pentabélé a été utilisé aux États-Unis, dans la mousse, aussi dans les textiles et aussi des circuits. En ce moment, il n'y a pas d'exemption sur l'utilisation, mais pour le recyclage, pour des produits qui contiennent ce POP. Alors, le prochain, le hexachloromethylphényl éther est listé dans la Convention de Stockholm. La production est à peu près 130 000 tonnes entre les années 1970 jusqu'à 2004. C'était utilisé comme des plastiques dans les produits électroniques, dans la construction, dans le transport. Il y a aussi d'autres types de plastiques comme les polystyrènes, qui est utilisé aussi dans les produits électroniques. Donc ici, sur la liste, il n'y a pas d'exemption parce que la production a été arrêtée en 2004. Mais il y a en cas d'exemption en ce qui concerne le recyclage, ils peuvent faire le recyclage de ce type de plastique. Alors, le dernier est le plus important en ce qui concerne la volume, à peu près 1,6 million de tonnes ont été produites et cela continue en Inde. Vous pouvez faire une comparaison avec le PCB. Vous pouvez voir qu'on utilisait plus de ce type de POP. Et pour le DKBDI, il y a une exemption, en cas d'exemption pour l'utilisation de ce POP. Et maintenant, quand nous allons revoir la production, l'histoire de la production pendant les décennies, nous pouvons voir les mélanges de ces produits. Alors, dans les années 1970, cela a augmenté dans les années 90, encore plus, 80-90, le pentabDE, octabDE. Et dans les années 2000, la production a réduit. En 2000-2010, il n'y a plus de production. Pour le octa-DKBDI, nous pouvons voir la production très élevée en 2010 et dans les 10 dernières années, cela a réduit. En 2003, la production de DKBD en Chine, ils ont arrêté cette production et l'Inde produit ce type de pop aussi. Alors, vous pouvez comprendre les produits qui ont impacté les plastiques qui sont utilisés dans les véhicules. Donc, en total, nous avons 1,9 million de tonnes de PBDE avec tous les produits. Et ils sont utilisés entre 5 à 10 % dans les produits. Nous pouvons estimer en total. Il y a à peu près 19 millions de PBDE dans ces plastiques qui ont été produits.
Alors, avec cette information, nous pouvons comprendre le type de plastique et ce qu'il faut bien comprendre. C'est la gestion des déchets et la vie de tous ces produits. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'usage total de DKBDE et OKTABDE. Et les produits. Alors, vous pouvez voir pour les produits électroniques, téléphone mobile, la mousse, les moquettes, vous pouvez voir que DKBDE a été utilisé à peu près la même donc, pour tous les produits. Pour le PentaBDE, vous pouvez voir qu'à peu près 50% été utilisé dans les produits, les moquettes et les mousses, par exemple, ou aussi des meubles. Et donc, il faut regarder aussi la vie moyenne de ces produits. Le OKTABDE a été utilisé jusqu'à 2004. Mais s'il a des produits électroniques qui a une vie à peu près de 7 ans, donc cela c'est déjà dans les déchets. Alors, si on regarde les transportations et la vie moyenne d'une voiture est à 15 ans, maintenant nous comprenons pour les voitures. Ces produits chimiques qui ont été utilisés pendant les 30 dernières années peut-être existent toujours. Ce que nous avons vu pour les pays en voie de développement, par exemple à Nigeria, la vie moyenne d'une voiture est plus de 30 ans. Donc, pour les véhicules, par exemple, Nigeria, la plupart de ces PBDE qu'on utilisait dans les années 80-90 sont toujours en utilisation. Donc, regardons maintenant la vie moyenne de produits de construction. Peut-être encore plus, 40 ans, 50 ans pour les produits d'insulation. Donc, ces pop qui ont utilisé dans ce domaine de construction existent toujours. Donc, si on regarde les pourcentages différents, donc peut-être la plupart de ces produits peut-être sont pas dans les électroniques. Dans les produits électroniques, mais dans le domaine de la construction et du transport, les véhicules. Alors, vous pouvez voir 90% des HBCD dans le domaine de la construction. Plus tard, nous allons voir les détails. Alors, DKBDE est toujours produit et utilisé. Dans les véhicules, il y a deux cas d'exemption très récemment. Ça, c'est pour les textiles et aussi les produits état de flamme. Ce que vous voyez maintenant, c'est une analyse des PBDE aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez voir les produits électroniques. Cette ligne, cela a augmenté depuis les années de 70 jusqu'à 2005. Très élevé. Et après, nous pouvons voir cela a baissé jusqu'à 2020. Donc, la plupart des produits électroniques sont déjà dans les déchets. Si on regarde pour les véhicules, à peu près la même quantité a été utilisée, mais à cause de la vie très longue des véhicules, aujourd'hui, il y a plus de PBDE qui existe, qui est toujours utilisé, mais avec
dans les pays en voie de développement, la vie d'une voiture est plus longue. Par exemple, en Nigeria. Aujourd'hui, nous parlons de la production et l'usage des propres. Nous pouvons voir le cycle de vie de PBDE. Je voudrais souligner sur cette diapositive et ajouter une chose. Aujourd'hui, il ne faut pas juste faire un focus sur les produits, mais il faut commencer à parler du recyclage. Ce n'est pas le focus de cette présentation, mais il faut le recyclage de ces produits est aussi très important. Alors, le 4 produits. La production a été arrêtée en 2021. La 90%, c'était pour les produits de retardateurs de flamme, pour les polystyrènes. Et en 2013, il y avait un cas d'exemption pour la production et l'usage. Cela a été arrêté. Et la dernière production était en 2021. Donc, en total, 700 000 millions de tonnes de HPCD a été produit. Alors, c'est le deuxième plus produit que nous avons jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de commerce de ces produits parce que 90% a été utilisé dans l'insulation de polystyrène. Nous pouvons calculer à peu près 1,5% de HPCD a été utilisé dans les produits polystyrène. Nous pouvons estimer que nous avons à peu près 42 millions de tonnes de EPS, XPS dans le domaine de la construction qui est présent. Dans la mousse dans l'insulation. Donc, la vie de l'insulation de polystyrène est à peu près 30 à 50 ans ou peut-être plus longtemps. Donc, il faut gérer ce type de pop à long terme. Alors, une autre étude qui a été faite. Ici, je vous montre les résultats. L'augmentation de l'usage de HBCD et en 2020, l'arrêt de l'usage. Mais en même temps, on parle de l'insulation, la mousse de l'insulation et la courbe ici montre la quantité qui va dans les produits qui vont dans les sites d'enguissement. Donc, vous pouvez voir, oui, jusqu'à dans l'avenir, cela va continuer et aller dans les sites d'enguissement. Alors, le dernier, le HPB, hexapromobiphényle. Seulement produit aux États-Unis des années 70 jusqu'à 76, une volume très petite, 5 400 tonnes. Tous les produits n'existent plus. Peut-être existent toujours dans les véhicules, les voitures classiques, seulement aux États-Unis entre les années 70 et 76. Alors, quand j'ai préparé les conseils et j'ai regardé cette publication sur la production et le commerce, j'ai vu que les auteurs ont montré qu'il y avait du commerce de HPB entre 2004 et 2019, mais la production a été arrêtée en
1976. Mais il y avait la surveillance de ces plastiques et personne n'a détecté le HPB. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bases de données, dans cette information. Je pense que le HPB est produit et utilisé comme un retardeur de flamme. Donc, je pense qu'il est à l'exportation de HPB, mais je pense que ce n'est pas hexabromébenzène. Si on regarde les pays, la production dans tous les pays, depuis 2004 au Japon, ils ont publié leur usage et leur production pendant les années. Donc, ils ont une très bonne base de données. Et ce que vous pouvez voir dans la base de données du Japon, qu'ils utilisaient HP benzène, mais pas HP piphenyle. Mais je pense qu'il y a un problème avec ces informations. Peut-être ils ont mal compris le type de pop. Les personnes qui peut-être envoient ces données, peut-être ont mal compris le nom. Peut-être, je crois. Alors, les pop chlorinées qui ont été mises sur la liste pendant les 15 dernières années. Il y a des paraffines qui vont être ajoutées à la liste en 2025. Et il y a encore trois, le HCBD et les deux autres. Alors, le plus important, c'est les paraffines chlorinées sont produits dans les quantités très larges. Des volumes. Et la chaîne est entre 10 à 13, la chaîne de carbone entre 14 et 17, et pour les autres, plus de 18. Ces paraffines chlorinées sont produits à des degrés différents, des volumes différents de chlore et produits dans les pays, surtout comme la Chine et l'Inde, et ils décrivent ces produits. Pas de petits et moyens, mais selon le volume de chlore qui contient dans le produit. Mais avec cette information, cette variation, il y a à peu près 200 types de formulations. Dans la Convention de Stockholm, ils sont listés CSCCP avec un qui contient un degré de chlore plus de 48%. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il contienne à 100%, mais s'il contient plus de 1%, c'est déjà considéré comme ce type de pop. Donc, s'il contient plus de 45%, ils vont prendre en compte ça en 2025. Toujours, c'est toujours produit. Et nous estimons que chaque année, à peu près 400 000 tonnes de ce type de paraffine, 900 000 tonnes de mélange ont été produits surtout en Chine et en Inde. En Chine, ils sont restrictés la production 2023, mais sur la liste, il y a des cas d'exemption pour la production et pour l'utilisation. Mais ils ont arrêté la production en 2023, mais je pense que cela va prendre un peu de temps avant qu'ils arrêtent la production. Mais en Inde, ils n'ont pas arrêté, pas encore.
Alors ici, c'est un article de de la production pendant les derniers 100 ans. La production a commencé en 1930 et nous pouvons voir que cela a augmenté après 2000 quand la Chine et l'Inde, ils ont commencé la production à grande échelle. Alors, depuis 2010, c'est plus de 1 million de tonnes. C'est SSP produit comme le PCB. Quand vous regardez la production globale, aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions de tonnes. Donc, c'est estimé à peu près 1,4 million de tonnes de paraffine chlorinée qui est utilisée dans le monde. À peu près, si on se dit 20 à 30 % est utilisé. Donc, il y a aussi des autres pays qui produisent, par exemple, la Russie, l'Égypte, Qatar, l'Afrique du Sud, les États-Unis, mais des niveaux un peu bas. Les SCCP, il y a des cas d'exemption qui est inclus le PVC pour les jouets, aussi des produits pour les enfants, dans les produits dans les véhicules, l'industrie de cuir, la peinture, par exemple, aussi. Ces cas d'exemption n'existent plus, donc il faut faire une évaluation parce que je pense qu'ils sont toujours produits et je pense et nous allons ajouter ça peut-être dans le COP en 2025. Nous allons avoir au moins la production until 2031. Alors, c'est un travail pour l'avenir, dans les 10 années à venir. Les usages sont les informations, l'information qui vient de la Chine. Ici, il montre les usages, PVC, le fil aussi, la peinture. Ce qu'ils ont trouvé qu'en Chine, plus de 70 % sont utilisés dans les produits de PVC, dans les produits de caoutchouc aussi. Et dans les autres usages très petits, par exemple les peintures. Mais si on met le focus sur le PVC, c'est une source importante de ces SCCP dans le monde parce que ce produit, ce PVC, est exporté de Chine, de la Chine, de l'Inde et dans d'autres pays dans le monde. Il y a aussi des mélanges de ces produits on peut le trouver en Brésil, par exemple, et aussi la production de caoutchouc aussi au Brésil. Et si nous pouvons voir le total, on estime plus